Alors, c'est quoi pour toi le voyage? C'est assez mystérieux et fantasmatique parce que je n'ai jamais vraiment voyagé. Du coup, pour moi, le voyage, c'est une chose qui est surtout très spirituelle, enfin, très intérieure. C'est une manière de s'évader par l'esprit pour moi. Quand j'étais petite, j'ai beaucoup voyagé avec les livres, par exemple. Je restais toujours au même endroit, je partais jamais en vacances et je lisais tout le temps. C'était ma manière de voyager. Et pendant longtemps, en fait, ça m'a suffi. J'avais pas vraiment besoin de partir pour pouvoir m'évader et visiter d'autres pays. Tout se faisait dans mon imagination. En fait, j'ai l'impression que pour les personnes qui voyagent, c'est aussi beaucoup une manière d'apprendre à se connaître, parce que en visitant plein de paysages différents, en rencontrant plein de cultures, on comprend mieux ce qui constitue notre être fondamentalement. On arrive à se recentrer finalement dans le panorama. C'est assez paradoxal, je crois. Où est-ce que tu aimerais voyager? J'aimerais aller en Islande pour voir des aurores boréales. J'aimerais aller au Vietnam parce que ce peuple me fascine. J'aimerais aller en Turquie voir les montgolfières. J'aimerais aller au Mexique parce qu'il y a plein de couleurs. J'aimerais aller en Italie, visiter le jardin des tarots de Niki de Saint-Phalle. J'aimerais aller à Berlin pour faire la fête. J'aimerais aller en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'aimerais aller au Canada, en Argentine. J'aimerais aller au Kenya. J'aimerais aller partout.